Salut les amis de la passion ludique, regardez, on est en train de descendre au stock pour cette petite vidéo de fin d'année, début d'année, parce que on a quelques petits jeux là à vous proposer à des super prix. C'est le moment des soldes, c'est le moment de se faire plaisir, l'hiver commence, il faut jouer à des jeux, donc nous voilà dans la petite réserve d'à quoi on joue, avec les petits jeux que j'ai là derrière. Et je vais vous dire un petit peu quels sont les jeux rapidement qui seront en solde chez nous ces prochains jours. Alors regardez, vous avez ici du Carac, un jeu pour les enfants, mais pas que. Ça pourrait s'appeler mon premier Dungeon Crawler, un super petit jeu, et lui vous le trouverez à moins 20%. Ensuite, regardez ici. Vous avez du Nagaraja. Nagaraja, un jeu à deux, excellent. Je vous montre un peu. Vous jetez des osselets, vous faites des enchères, et ensuite vous allez fouiller le donjon, moins 20%. Ici, vous avez Oltré, bien sûr. Oltré, oh, mais il est très bien ce jeu. Un jeu coop. Défense de fort, narratif, très rejouable. Le jeu d'Antoine Boza, 20% aussi sur celui-là. Tout comme le petit moustache Gracias. Un petit jeu de pli tout simple, mais très amusant, très rigolo. 20% sur lui aussi. Toujours dans les jeux à deux, Jekyll and Hyde. Très bon petit jeu à deux. Quelqu'un est Jekyll, quelqu'un est Hyde. Quelqu'un va vers la lumière, quelqu'un va vers l'obscurité. On joue avec des cartes, c'est un jeu de pli. Très bon jeu à deux. Moins 20% encore. Chez les enfants, on a du Pengu Jump. Pengu Jump. On fait avancer nos petits pingouins sur la banquise. Et là-dessus aussi moins 20%. C'est très visuel. Pour les enfants, c'est génial. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore là? Ah bah bien sûr, du Sleeping Gods. Sleeping Gods, énorme jeu. Regardez-moi ça. Narratif. C'est un mélange entre un jeu vidéo, un livre dont vous êtes le héros, et un jeu de société. Vous allez parcourir les mers, vivre une très grande aventure, une campagne extraordinaire, qui va vous durer dans les une vingtaine d'heures. Ça, c'est excellent. Et c'est aussi à moins 20% chez nous. Ensuite, allons un petit peu par là. Là-haut, vous avez l'As d'or. L'As d'or expert. Arc Nova. Moins 20% aussi. Vous avez un autre As d'or. Challenger. Challengers. Hop là. Un petit jeu de deck building, mais où vous ne vous occupez que du building du deck, et ensuite les parties se jouent automatiquement comme un jeu de bataille en mode tournoi. C'est hyper drôle, et là aussi on a du 1%, n'hésitez pas. Ensuite, allons voir par ici. Ah oui, on a reçu du Clinic Rush. Alors Clinic Rush, franchement excellent jeu coopératif. Il va falloir gérer un hôpital, chacun a un rôle, un temps défini, des patients à traiter, il faut aller vite, il faut se coordonner, c'est drôle, on s'engueule, on rigole, c'est excellent. Clinic Rush, moins 20% aussi, les amis. Nous avons ici Earth. Earth, le gros jeu de gestion de la nature, où vous allez créer tout un écosystème que vous allez devoir optimiser. Ça a fait un peu le buzz cette année, c'est un super jeu. Moins 20% aussi sur Earth. Sur Eriantis, de même. Tac. Regardez ce petit jeu, Eriantis. C'est un jeu de placement d'ouvriers et d'optimisation. C'est excellent. Vous êtes une école de magie. Vous devez placer vos étudiants, gagner la faveur des profs, et ensuite, Mère Nature viendra vous récompenser et vous construirez des petites tours. C'est excellent aussi. Moins 20% de même. Et enfin, ici, nous avons encore... Hop, Harry Potter, les escaliers de Poudlard. C'est, si vous voulez, un petit peu le labyrinthe qu'on jouait quand on était plus petit,
Mais ici, avec les escaliers de Poudlard, ça, pour les fans d'Harry Potter, c'est un super jeu. Moins 20% aussi, les amis. Et on rajoute à ça un petit coup des charlatans de Belcastel. Alors, les charlatans de Belcastel, c'est un jeu de stop ou encore que moi j'aime particulièrement. Vous construisez des potions, enfin vous créez des potions dans un sac d'ingrédients. Vous allez piocher les ingrédients. Certains ingrédients font avancer votre potion, d'autres la font exploser. Et puis évidemment, au fil de la partie, vous achetez de nouveaux ingrédients que vous allez rajouter. Ça, c'est trop drôle à jouer. C'est aussi à moins 20%, les amis. Ici, petit zoom sur Twisted Fables. Ça, c'est génial. C'est un jeu de baston type Street Fighter, mais en jeu de société, on joue à deux. C'est du versus fighting avec des pouvoirs spéciaux. C'est un peu japonisant. C'est trop bien. Donc, c'est aussi à moins 20% chez nous. Et enfin, regardez là. Mon jeu préféré et le jeu préféré de beaucoup de monde, Terraforming Mars. Là-dessus aussi, on a moins 20% durant cette période de solde. Retour dans le stock, les amis. J'ai oublié de vous parler des puzzles Dixit. Regardez, alors c'est plusieurs illustrations pour ceux qui connaissent Dixit. Ce sont les cartes de Dixit, mais en puzzle, par exemple celui-ci. Et bien ça, on fait moins 20% aussi durant la période de solde. Nous revoyons au stock. J'ai encore oublié de vous parler de Suburbia. Suburbia, jeu de construction de ville type SimCity. Alors c'est vraiment SimCity, hein, avec des tuiles que vous agencez selon certaines conditions de victoire et vous essayez de développer votre ville. Moins 20% là-dessus aussi. Et enfin, et comme ça, je reprends la caméra et la tête. Voilà. Dernier jeu qu'on offre à moins 20%. Il est là. King Domino Origins. C'est comme King Domino, mais à la préhistoire. Avec quelques petites subtilités en plus, c'est super. Eh bien, moins 20% là-dessus aussi. Alors voilà les amis, moins 20% sur tous ces jeux. Et puis n'oubliez pas que sur notre site aquonjoue.ch, non seulement vous avez moins 20% sur ces jeux, et puis vous avez de toute façon un très bon prix, parce qu'on essaye de ne pas être trop cher à aquonjoue.ch. Et plus vous commandez, plus vous avez des rabais. Alors, rendez-vous sur aquonjoue.ch, regardez nos vidéos de sélection aussi, et je vous dis à très bientôt, jouez bien, jouez beaucoup, parce que c'est ce qu'on aime. Allez, à tout bientôt, ciao ciao!